Cette année, la veille du 21 juillet, nous fêtons la 12e rencontre des brasseries du Luxembourg belge, ici à Auton, sur le site de Leneux, où nous avons une chance incroyable avec le soleil. Et vous avez des groupes musicaux qui viennent, c'est pas la première fois. Ah non, c'est pas la première fois. Donc nous avons eu la fanfare de Auton, qui est la super fanfare de la région. Nous avons eu les Dixie Boys Band. Et nous avons une fanfare lilloise qui est là pour clôturer la journée en merveille. Maintenant, il y a combien de brasseurs qui sont représentés cette année? Donc, il y a 12 brasseries qui sont représentées cette année. Il y en a deux nouvelles qui ne sont jamais venues. Une de la province du Luxembourg, qui est la brasserie de la Clochette, et une autre brasserie, la brasserie de la Lienne. Fondée au printemps 2013 par Nicolas et Mélissa Résimont, la brasserie de la Lienne est une microbrasserie artisanale établie au cœur de la magnifique région de l'Ardenne belge, entre les provinces de Liège et du Luxembourg. La brasserie de la Lienne a trouvé sa place au sein d'une ancienne fermette où les cuves de fermentation ont remplacé les mangeoires et où le fenil s'est mué en salon de dégustation. Depuis 3 ans déjà, vous recevez également votre caricature minute entre 16 et 18 heures en souvenir de votre passage. Votre caricature est réalisée par Jean-Marie Lesage, à la fois le photographe et le caméraman de l'événement, à votre service. Dany Prignon et Dany Laval sont à l'origine de ce magnifique projet afin de promouvoir les bières de la province. Vu son succès, la manifestation présente également chaque année de nouveaux brasseurs venus d'autres provinces amies. Plusieurs activités animent cette manifestation avec un quiz pour tester vos connaissances en matière brassicole afin de gagner peut-être un des nombreux prix dont le premier et le deuxième sont un voyage en montgolfière. Nous sommes venus d'Izigem avec un groupe de 31 personnes. Nous sommes partis ce matin vers 8 heures et nous nous sommes bien amusés à la rencontre. Et comment ça se fait que vous venez à Auton? Parce que c'est une ville jumelée avec nous. Brigade des Tubes est un groupe de musiciens de Lille, du nord de la France. Voilà, nous terminons en fait notre tournée aujourd'hui à Auton. Nous avons fait un superbe périple en Allemagne et nous sommes agréablement surpris de enfin, vous êtes un groupe jouer. De combien de personnes? Aujourd'hui nous sommes un groupe de 40 personnes à peu près, 40 musiciens. Voilà, sinon nous sommes un gros collectif. Et le genre de musique? Le répertoire est très très varié. Nous avons du funk, du jazz, de la musique des Balkans, du rock, mais enfin, à partir du moment où on peut faire plaisir aux gens, à partir du moment où on peut les faire danser, ça nous convient. C'est fabuleux quand vous voilà. Merci. C'est un spectacle. C'est un spectacle. Vous effectivement, il y a... Tout le monde bouge avec vous. Voilà, il y a une belle... Ce qu'on essaye de donner, en tout cas, c'est le maximum d'énergie, avec aussi le maximum d'effets scéniques, et pouvoir aussi faire partager ça au public, et que le public, qu'on puisse emmener le public avec nous.